Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, champ magnétique, objectif S, étudier le champ magnétique créé par un aimant ou des bobines. Voir les propriétés d'un champ magnétique. Montrer comment générer un champ magnétique uniforme. Décrire le magnétisme terrestre et ses caractéristiques. Dans la Grèce antique, il avait été observé par un berger du nom de Magne qu'un matériau, la magnétite, attirait le fer. Ce berger vivait dans la cité de Magnésie. Ce nom a plus tard formé le mot magnétisme. Les premières applications du magnétisme concernent la boussole, inventée par les Chinois. Par la suite, cet instrument fut utilisé par les navigateurs afin de s'orienter grâce au magnétisme terrestre. Actuellement, les champs magnétiques trouvent diverses applications importantes, comme les moteurs et alternateurs électriques, les IRM en médecine, les plaques chauffantes à induction, la lévitation magnétique, la compréhension des aurores boréales. Point. Point. 1. Comment est produit un champ magnétique? A. Les aimants permanents. Les aimants permanents sont composés de matériaux, comme la magnétite, qui ont la faculté de conserver une aimantation de manière permanente. Un aimant crée un champ magnétique. Expérimentalement, la limaille de fer permet de visualiser ses lignes de champ. Un aimant dispose de deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Chacun a la propriété d'attirer le fer. Des pôles identiques se repoussent et des pôles différents s'attirent. Les pôles magnétiques vont toujours par paires. Il n'existe pas de monopôle magnétique, ou du moins leur existence n'a pas encore été totalement confirmée expérimentalement. B. Déplacement de charges électriques. Des charges électriques en mouvement génèrent aussi des champs magnétiques. Pour un fil rectiligne dans lequel circule un courant électrique d'intensité I, le champ magnétique, noté traditionnellement, présente des lignes de champ circulaires. La norme B du champ magnétique décroît en A avec R la distance qui nous sépare du fil. D'autre part, B est proportionnelle à I. C. Unité de mesure et ordre de grandeur. Un champ magnétique s'exprime en Tesla, dont le symbole est T. En travaux pratiques, les champs produits sont souvent exprimés en millitesla MT. Ils se mesurent avec un teslamètre. Les appareils IRM, imagerie par résonance magnétique, permettent une imagerie médicale basée sur les champs magnétiques. Ils peuvent atteindre plusieurs tesla. Dans le domaine de la recherche, on peut atteindre plusieurs dizaines, centaines, ou même quelques milliers de tesla, mais pendant des courtes durées. Certains objets stellaires, étoiles à neutrons, peuvent atteindre des champs de ou même. 2. Les bobines. Afin que le champ magnétique généré